La rage de vivre is the story of Bolewa Sabourin's childhood and young adulthood taking place in Paris, primarily, but also in Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of Congo, which is the homeland of his father, and also in Martinique. Bolewa is, I'd like to do just a short introduction of you. We had an event last evening, and some of you were at that event, but I think not everyone was at that event, so we'll repeat a little bit of the introduction that was done there. Bolewa Sabourin is, first of all, a dancer, a choreographer, and a performance artist who works with traditional Congolese dance. He is also an activist who, since his late teens, has been very involved in politics in one way or another. So in a first phase in sort of organized political youth organizations, political organizations in France. And more recently, Bolewa has been engaged in his own form of cultural and political activism, using Congolese dance as a form of therapy for women in the Congo who have been victimized by the victims of sexual violence in the context of war, and in the context of the general breakdown in the family and social structures that would traditionally, in an African country, protect and value women. So last evening, we had the pleasure of attending and even participating in the end, at the end of the evening, in a dance performance by Bolewa with his partner dancer, Flora Delove, and wonderful percussionist, Kichita Kashito Kiasala. The performance gave very effective and moving expression to the plight of women in the Congo, who are so often the victims of sexual violence. And the performance last night was followed by a panel and audience discussion about the performance, but also more broadly about the use of dance therapy to treat trauma. And we had faculty panelists from a range of disciplines, dance, history, law, medicine, who discussed the value of dance as a means to treat trauma, as well as the challenges in using artistic expression, both as an alternative to and in conjunction with traditional psychotherapy. Bala Fofana has a master's in political communication from the University of Paris East and from the Center for the Professional Training of Journalists. A former member of the Bondi blog, he also reported on the economy for the French TV channel TF1 from September 2014 to August 2016. And he is now a staff writer for the French newspaper Libération. Since 2014, he has also been working in French high schools in the Paris region, doing workshops on media education. With a group of associates, he is also working on a documentary project modeled on the New York Times video series, A Conversation on Race. So, tonight our focus is on the book that Bolewa and Bala wrote together, as I said, La Rage de Vivre. So instead of summarizing and just talking about the book overall, we would like to trace the trajectory of Bolewa's story by reading some passages from the book. And the readers tonight are participants in my current class Transatlantic Translation Workshop. And one of the activities in this class this semester is we are translating the book. And we will be finished by the end of the semester, right? We will be finished. Yes, we will be finished by the end of the semester.
and look to publishing in the months ahead. We don't have a publisher yet, but we will. So tonight, five of the students from the class have agreed to read passages that they have worked on for the purpose of translation, either individually or in groups. And after each passage, we have asked Bolewa and Bala to comment on the moment, that the episode that was just read, recounted in the story. So, but we would also like for you to comment on not only the events recounted in the story, but also the collaboration work of writing these events together. Because you have taken what is a series of what could have been really disjointed events, and you have put them into a sort of trame narrative that is coherent and that allows you to demonstrate a life with that, even though it went through, it's going through a lot of ups and downs, it's still going on. Nevertheless, it has a purpose. Il y a un but, il y a un objectif, and that we'd like to hear about the experience of writing that. So we will begin. Then I do want to, before we begin with the readings, acknowledge and say a few thank yous to the Columbia Global Centers. The events last night and tonight are really the inaugural event, I believe, yeah, for the Columbia Global Center's 10th anniversary. And so we want to give our thanks again to Safwan Masri, Executive Vice President of Global Centers and Global Development at Columbia, Paul Leclerc, the Director of the Global Center in Paris, Brunhild Bibuk, the Administrative Director of the Paris Center, and especially Lauren Wolf, Senior Program Manager of the Columbia Global Center Paris. Former professor here. Yes, so I was just going to say this is a homecoming. I was going to say that. I kind of forgot it last night, but to say that this is a homecoming in a way for Lauren, who is a beloved colleague and former faculty member of the French department here at Barnard College before she left us to go to Columbia Global Centers, but has remained with us. And Lauren is really one of our biggest supporters, the supporter of Barnard in Paris, and has really allowed us to make so many connections with Columbia and with Paris, with Columbia and Paris. And so I really want to thank you, Lauren, for all you do for us and for Barnard all the time, every year. And this is kind of the culminating moment of that. So very grateful for your presence. Thanks also very quickly to Peter Connor of the Barnard Center for Translation Studies, also Anne Boyman of the French Department for supporting these events, the Barnard Dance Department and Africana Studies, the Barnard Consortium for Critical Interdisciplinary Studies, the Barnard, the Columbia Institute of African Studies, and the Columbia Maison Francaise. All of these people supported last night and this evening's events. So with that, we're going to begin reading. Carla Malaco is going to read first from the very beginning of the book, the first chapter, Aéroport. Now, the readings are going to be in French. The translation is not complete. However, if you would like to have what is a copy of sort of rough drafts of translations, and the translators, your names are not associated with anything yet, okay? Because this is all still in rough draft form. But if I will circulate around it. If anyone would like to have the English for most of what you're going to hear read, not absolutely all of it, but most of it. Aéroport,
Juillet 2012, la France est joyeuse. Je me sens harassée. Nicolas Sarkozy est battu. Je veux en finir avec cette vie. François Hollande triomphe. Je n'en peux plus. J'ai pourtant été une des artisans de cette campagne. J'ai tout donné. J'aurais pu essayer de me placer pour récolter les lauriers, mettre ma gueule sur les photos souvenirs pour me la raconter. Rien à faire de tout ça. J'aspire à autre chose. J'ai 27 ans. Je viens de tellement loin que le simple fait d'y penser m'épuise. La vieille, j'ai dû faire mes adieux à ma petite amie. J'ai aussi quitté mon poste à la mairie de Paris. Une carrière, tout ce qu'il y a de plus honnête, s'offrait pourtant à moi. Et la réussite me tendait les bras. Mais j'ai plus la sensation qu'elle allait m'enfermer. So, Bolewa, your story begins in Paris at a particular moment. So maybe you could, si tu pourrais peut-être faire un commentaire sur pourquoi ce moment en particulier. Bonsoir. Alors, ce moment est important. Pour moi, car je pense que en fait, c'est véritablement ce moment-là où j'ai commencé à écrire moi-même le livre que je voulais lire. Parce que au départ, ce que je recherchais, c'était de faire un flashback avec mon histoire. So this was the moment when you, in 2012, that you decided to write this book and you wanted to construct it as a flashback. So oui. You began in 2012. C'est ça. Mais c'est un moment très spécifique. Et c'est un moment où vraiment, je ne sais plus qui je suis en fait. J'ai tout, je lâche tout en fait. So I don't know who, I didn't know who I was at this moment. I'm really questioning who I am. Et du coup, je suis obligé de retourner auprès de la dernière personne qui sait qui je suis. So I had to go back to the last person who knew, who knows, or who knew who I am. C'est ça. Et en fait, à ce moment-là, c'est vrai, comme je dis, j'ai tellement d'informations dans ma tête que je sais même plus, je doute même d'avoir vécu au Congo. So I have so much information in my head that I'm beginning to doubt that I ever even lived in the Congo. Et ça arrive du coup à cette période où je dois recommencer, renaître. Je dois véritablement abandonner tout ce que j'étais pour démarrer une vie où je serai en paix avec moi-même. So I had to really to have a rebirth really and go back over who I was going to become. Pourquoi cette élection de, parce que c'est un point très spécifique, l'élection de François Hollande, c'est vraiment parce que je me suis engagé en politique pour dégager Sarkozy. So I got into politics to get rid of Sarkozy. Parce qu'en 2007, because in 2007, il a créé le ministère de l'identité nationale. Because he had created in 2007 the Ministry of National Identity. Qui sous-entendait derrière ce ministère que tout le monde devait s'assimiler à la narration du roman français. Which had its premise the idea that everyone should assimilate into the national French identity. Et qui voulait dire que on devait tous dire qu'on vient des Gaulois. Which meant that we should all become Gaulois.
right? We should all become French in a very fundamental way, that is. Et du coup, on devait mettre de côté l'identité de nos parents ou la nôtre, au final, pour justement se baigner et dans cette grand roman national ensemble, right. Alors que moi, une partie de moi venait du Congo, la moitié, right. En tout cas, venait du Congo. Right. So that would mean really putting one's parents aside, one's family aside, and denying that, whereas for Bolewa, it was really at least half of his family, his father's side of the family, from the Congo, that he would need to reckon with. Et du coup, il avait réussi là où Jean-Marie Le Pen avait échoué pendant presque 25 ans. Right, so Sarkozy had managed to do this, whereas a further extreme right, Jean-Marie Le Pen, for 25 years, had failed to do so. So this was for you, a pivotal moment of sort of prise de conscience, in a way. C'est, en fait, là, j'avais conscience, mais ce moment-là m'a poussé à m'engager, à vraiment rentrer dans le système politique. Mm-hmm. So this was what really was like a catalyst for him to be engaged in the political system. Mais on a l'impression que c'est aussi un moment de désillusion avec la politique dans le premier chapitre. Oui, il y a de ça. Il y a beaucoup de ça parce que je viens avec toute ma naïveté de celui de changer le monde, mais surtout d'abord de dégager Sarkozy. Et je réussis à dégager Sarkozy, right. Mais changer le monde, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Right, so getting rid of Sarkozy was one thing, but changing the world in the way he was hoping to was a different thing. So if you have questions, and especially those of you who may have already read the book and who want to just ask something as we go along, please feel free to just raise your hand and jump in. No? Are there things, Bala, what would you have to contribute to that in terms of constructing the beginning of a narrative? You're setting up what's going to be a long flashback. Mm-hmm. Bonsoir tout le monde. J'aime beaucoup l'idée du flashback. Now you can speak English. Yeah, I know, but... I just want to... Sorry, I can, but I just want to be laid back tonight. Okay. Entendu. Would you mind translating? No. Okay, great. So, je disais... J'aime beaucoup l'idée du flashback, en fait, parce que, comme tu disais, en fait, il fallait essayer de trouver un rythme et une structure à une histoire, en fait. Yeah, so he really liked the idea of a flashback as a way of structuring a story. Et partir d'un moment qui est très marquant, parce que la victoire de François Hollande, c'est le second président de gauche de la Ve République. Uh-huh. Et avant lui, c'était François Mitterrand qui va être élu pour la première fois en 1981. Et François Hollande, il est élu en 2012. So the election of François Hollande in 2012, who was only the second left president in the Fifth Republic, along with François Mitterrand, elected in 1981. So this was an important moment, and it seemed like a good starting point. En fait, pour moi, raconter les parcours des gens des minorités, l'obsession que j'ai, c'est comment les replacer dans l'histoire tout le temps. And so writing the stories of minority subjects, how to put them back into history is of concern to you. Et humblement, à son niveau, en s'engageant dans cette campagne, il a fait l'histoire, en fait. Et ça, je pense que c'est des bases qui sont intéressantes pour créer déjà une bienveillance du lecteur
et aussi montrer toute la complexité de quelqu'un dès les premières lignes. So, quand tu dis il a fait de l'histoire, c'est-à-dire il François... en a fait partie, oui. Le Bolewa. Bolewa. En faisant campagne. Right. So Bolewa participating in Hollande's campaign had really been part of that history of moving toward the rewrite, the writing into history of minorities. Very good. Great job. No questions. So we might just move along towards our second passage. Chapters 2 and 3 are important, and I'm just going to say a few words about them in that they take now the structure of the flashback and model the rest of the narrative in a way. First, we meet Bolewa's parents in the second and third chapter. First, his father, Nganda. Is that how you pronounce it? Yeah, yeah. Mm-hmm. Who is Congolese and the son of a man, his father, so Bolewa's grandfather, who was once a diplomat, a Congolese diplomat in Paris, but who suffered an unfortunate fall from grace during the era of Mobutu. So disgraced and rejected, Bolewa's grandfather and his family subsequently returned to what was then Zaire, where the family passed quickly from a life of financial ease and social prosperity, prestige as diplomats, to one of absolute abject poverty in the slums of Kinshasa. Sometime later, after having married and fathered a child, the young man, Nganda, Bolewa's father, returns to Paris and leads the bohemian life of a dancer specializing in traditional Congolese dance. And he's also a great seducer of women. Next, Bolewa's mother, Colette, a French woman originally from La Rochelle, has another complicated story. Her own unmarried mother was white, but that is, Colette's mother was white, but her father was a mixed-race American soldier. And because she had gotten pregnant by a black man, her mother was deemed insane. And baby Colette, was Bolewa's mother, was taken from her mother as a baby and goes on to lead a very unstable life of serious mental health problems and an addiction. So Bolewa's parents, Ganda and Colette, meet and have a child together. Bolewa. And this couple, his parents, one line that struck us in our translation work was the sentence, this couple was like a Formula One car race smashing headlong into a wall. This couple separate, as you might expect, very quickly when Bolewa is only 3 months old, and then around his first birthday, his father kidnaps him from his mother and takes him back to Zaire with the intention of ensuring that he will grow up Congolese in an African family. Of course, it's not Bolewa's father who takes care of him, because his father quickly returns to France to continue his bohemian lifestyle, but it's rather Bolewa's grandmother, Manono, and his great-grandmother, whose name is Bolewa. And they, his grandmother and great-grandmother raise Bolewa along with assorted other grandchildren in the squalor, absolute squalor, of the Kinshasa slum called Matete, which is vividly described in the chapter entitled Prince du Bidonville. So this is the second passage, Prince of the Slum. So Juliette Emerson Colvin will read to us from Prince du Bidonville. À Kinshasa, les vagues d'un océan de misère juxte des forteresses de richesse. Si l'on exclut le gombe, poumon économique et politique de la ville, où cohabitant
les élites internationales, les Libanais, Indiens, Européens, etc., et locales, les autres quartiers habitent des millions de pauvres. Ils sont arrivés des quatre coins du monde, du pays, en quête d'une réussite rarement au rendez-vous. Dans les 23 autres communes de Kinlabelle, nous avons l'impression de vivre pour faire prier le gombe. La cité-état, 100 fois plus grande que Paris, est connue pour son activité délirante et sa circulation chaotique. Des millions de motos slalom entre les vendeuses ambulantes et les enfants qui portent leurs marchandises sur la tête, tentant d'arracher quelques deniers. Malgré la pollution sonore et atmosphérique, je salive en pensant aux gargotes de rue, les Malewas. Peu coûteuses, elles sont souvent tenues par des femmes qui jonglent entre criades de viande ou de poisson et marmites de riz ou de pondu, plats de peuple à base de feuilles de manioc. Au sud-est de la mégalopole se trouve notre bidonville, Matete. À l'entrée du quartier Tron, une statue de Patrice Emery Lumumba, le premier héros national. Matete est une des plus belles de Kinshasa. Les habitants vivent près d'une décharge publique. Derrière les toilettes construites à l'écart de maisons, les eaux usées forment des étangs putrides. La pauvreté structure chaque aspect de nos vies. Tout le monde pratique l'art de la misère et transforme la pénurie en opportunité. Les difficultés s'affrontent avec un sourire Colgate et quelques dents en moi. Dans le déclassement, mes ailes n'ont pas choisi ce quartier hasard. Une bonne partie des habitants de Métété vient, comme eux, de la province de l'Équateur. Le quartier t'éduquait. Tout le monde a un œil sur toi, conscient qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et il y a un autre passage. J'apprends que le respect est une plante qui arrose avec patience. À la moindre négligence, elle te claque entre les doigts. Que ce soit au Congo ou en France, j'ai toujours été minoritaire. Je dois faire de ce handicap en force. Ne pas suivre le trompeau, être au-devant des choses m'imposer. Et si le mot me fonce dessus, je dois me démerder pour dévier sa course et où prendre sa tête, le résumé de ma vie. J'ai désormais 6 ans et pourtant tu la roublardise d'un papy danseur de rumba. Je parle la lingala et son argot comme personne. Kinshasa même et me comprendre. Nous étrangers sont chaleureuses. Je suis en fusion avec la terre de mes ailes. Mais l'idylle tourne court. Papa, je ne l'ai pas vu pendant 5 ans. Il débarque et me dit qu'il est venu me chercher pour quand rentrer en France. Tous mes potes, tout le quartier est venu me trouver. Volez-vous, ton père t'arrive de France, ton père t'arrive. J'ai 0 souvenir de ce mec. Je marche vers mon destin avec le vent et la meute dans mon dos. À travers leur sourire et leur encouragement, je me rends compte que je réalise le rêve de tout un peuple parti en France. Tout ce que je vois, c'est que Nganda vient de mettre un coup de restant à 5 années de bonheur. Je n'ai pas mon mot à dire. Pourtant, je suis le prince de Matete. Cette image de Kinshasa, tu étais très petit, entre 1 an, 6 ans. Lauren, why don't you translate this? Why don't you interpret this? Oh, you're great. No, really. And I kind of want to go sit down. Non, reste là, tu nous rassures. Merci d'avoir pris ce passage. Thank you for taking this
choosing this passage? Parce qu'il y a juste 10 jours maintenant, j'étais à Kinshasa. Because 10 days ago I was in Kinshasa. Et c'était pour enterrer ma nono. And it was for the funeral of my grandmother, ma nono. Et du coup, quand je me vois ici avec tout ça. And so when I'm here and all of this around me. Et que je repense à ce que vous venez de lire, à tous ces souvenirs et tout ce qu'elle a fait pour moi. Uh-huh. And when I think back on everything that she did for me. Je suis juste je sais pas, je suis déboussolé par comment la vie peut nous emmener. Yeah, I'm totally disoriented by what life can bring you and bring us. C'est vraiment cette l'histoire de ma vie, de me retrouver toujours dans des endroits où j'aurais jamais pensé y être en fait. Mm-hmm. Mm-hmm. And it's this the phenomenon of being in places you never thought you would be. Et du coup, dans ces endroits-là, il y a deux solutions. Soit je me fais écraser par ces endroits-là. So there are two solutions. I'm either crushed by the place where I am. Parce que ils sont toujours très puissants, que ça soit le bidonville, c'est un endroit très très difficile. Mm-hmm, because they are very forceful, strong places like the slum in Kinshasa, very. Ou les dorures, les beaux endroits, mm-hmm. qui du coup peut aussi vite m'écraser en me sentant illégitime. Yes, and these beautiful surroundings that can also be rather crushing and intimidating by feeling that you are like, you call it imposter syndrome, oui. Right? And oui, oui. Tu utilises ce terme à un moment donné, that you're not where you belong. Et donc, du coup, ben, pour pas se faire écraser par ces endroits, ben, il faut être. and so in order not to be crushed, you have to be surrounded by, entouré d'amis. Entouré d'amis et surtout au devant de cet right, endroit. Right. Pour moi, il n'y a pas d'autre issue. Mm-hmm. So there's really no other solution. There's no other way out in a sense. There's no. Alors cet endroit m'a tété, j'en garde un super souvenir. Uh-huh. I have a wonderful memory. Tu utilises le terme bonheur. C'est vraiment le bonheur. C'est vraiment le bonheur parce que sont des lieux de solidarité extrême. Uh-huh, because these are places of extreme solidarity. Derrière la misère se cache vraiment l'humanité des gens. Mm-hmm. Behind the misery and poverty is the humanity of the people who live there. Surtout envers les enfants, en fait. Especially where children are concerned and toward children. Et donc, du coup, moi, je ne me sentais pas en danger là-bas. Mm-hmm. C'est en devenant adulte qu'on se sent en danger là-bas. So I didn't feel in danger there. It's only later, becoming an adult, that one begins to perceive danger. Et donc, ça m'a vraiment. Là-bas, j'avais une famille, une maman, ma grand-mère. Mm-hmm. J'avais un papa, mon arrière-grand-mère. Uh-huh. So I had my grandmother, my great-grandmother and great-grandfather and grandfather. Non, mon arrière-grand-mère faisait office de père. Oh, I see what you mean. My great-grandmother was actually like a father. Et après, j'avais tout le quartier comme frère et sœur. And the whole neighborhood as brothers and sisters. Et
ça a été, pour moi, ça a été un moment de bonheur que j'ai toujours gardé, mais quand j'y suis retourné, là, il n'y a pas longtemps, pour enterrer, du coup, ma grand-mère, beaucoup de gens qui ne m'avaient pas vu depuis, du coup, maintenant, presque 30 ans, se souvenaient de moi comme d'un garçon très joyeux qui courait partout et faisait sa vie. And so when I went back recently for my mother, grandmother's funeral, the people there, people I hadn't seen for 30 years, actually remembered me as being a very happy and joyful little boy. Et du coup, ça corroborait véritablement avec le sentiment que j'ai toujours eu de ce cet endroit, même si j'étais très jeune et que j'ai eu et que j'ai eu du mal à garder les souvenirs. So that corroborated the feelings that I had actually had at that time of happiness. La seule chose qui me rend triste, c'est que le pays n'a pas changé entre quand j'étais enfant et aujourd'hui, 30 ans plus tard. So the only thing that makes him really sad is that the country itself has not changed in the past 30 years. Ce chapitre, pour moi, c'était un des plus cool à écrire. This was one of the coolest chapters to write. Parce que, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on discutait de tous les souvenirs qu'avait Bolewa. Because we discussed all the memories Bolewa had. Et il fallait faire un puzzle. And it was like a puzzle. Et pour la technique d'écriture, c'était de retranscrire l'entretien que j'avais enregistré. So the technique was to transcribe an interview that he had with Bolewa. Et avoir sa voix que j'écoutais sur un beat d'instru de musique congolaise en fait. Et avec des recommandations que lui m'a faites. Et ça, c'était génial parce que dans les moments de souvenir, c'est très facile de créer un rythme, en fait. So the rhythm of his voice in the interview, with also Congolese music and the beat of the music in the background, really helped you bring out the rhythm of the text. Et quand il en parlait, c'était un des rares moments où il y avait de l'émotion, comme d'une sorte de paradis, mais avec beaucoup d'humour aussi. So this was one of the moments when there was great emotion, but also humor, you said? Yeah. Et l'idée, c'est ça, c'était de ramener les personnes qui lisent au Congo d'une façon totalement autre, en fait, à travers le regard d'enfant. Et parce que je trouvais que, justement, beaucoup de grands classiques de la littérature africaine, comme Allah n'est pas obligé, ou Laï Camara, racontent le continent à travers la hauteur d'un enfant. Et Alama Bonkou aussi l'a fait avec Demain j'aurai 20 ans. Okay, so let me catch up with you. So Bala is then used this technique of that often used in African contemporary literature, as in Camara Lai Camara, of using a child's point of view, sort of the child's perspective, became possible. Parce que la meilleure des pédagogies, c'est raconter le monde à hauteur d'enfant, en fait. C'est quoi? De raconter le monde à travers la hauteur d'un enfant. So one of the best ways of teaching, really, pedagogy, is to tell a story of the world through a child's eyes. Et c'était encore plus drôle avec un enfant agité, en fait. And it's even more funny through the eyes of a child who is somewhat active and rambunctious. Yeah. Okay, so we will move on to our next passage.
At the age of 6, Bolewa is taken back to France. And you may have understood from this chapter that his father suddenly reappears when Bolewa is 6. He hasn't seen his father in 5 years. Ça faisait 5 ans que tu n'avais pas vu. So he had not seen his father since his father dropped him off 5 years before. So he knows no French. He's going back to French and can only speak Lingala. But his father, who previously insisted that he be truly Congolese, now requires him to be truly French and hits him whenever he speaks Lingala. Well, he wants him to only speak French. So paradoxically, his father is deeply immersed in the culture of African music and dance in Paris, working with artists like Papa Wemba, Kofi Olomide, and the dancer Taboulé Rochereau. And this exposure to Congolese dance and music are the foundation of Bolewa's young life. The Congolese artists surrounding his father who is himself a very serious practitioner of traditional dance, these artists become Bolewa's father, his sort of African extended family, but ironically, it's all taking place in Paris, far from the Congo. In the midst of all this African culture in France, Bolewa begins to speak French, but lose his African language, and rather take on the role of assimilating as a French identity through language. Bolewa's life in this period can be summed up in the title of the chapter, Bolewa prend tes affaires, on part. Every few months, his father uproots him to go live with a different girlfriend in a different neighborhood, requiring readjustment and reassimilation. Back and forth between different arrondissements, the 15th, the 5th, but also then the suburbs. Twice he finds himself living in the heavily immigrant banlieue of Saint-Denis. While life in Saint-Denis might not have the same degree of poverty that Bolewa knew in Kinshasa, nevertheless it brings out the same reflex, you say, the same instincts of living to survive. Of devising the means to eke out a life. And in our next passage, which is from the chapter that Claire Walter will read for us, the title of the chapter is just exactly that, Bolewa, prends tes affaires, on part. Bolewa in this episode, go ahead, Claire. Bolewa goes to the TV studios of TF1 to try to be waiting online to be part of the studio audience, the child studio audience, of a popular kids show, Club Dorothée. So, Claire? Comme tous les gamins, on est des boulimiques du Club Dorothée qui passe sur TF1. Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, etc. On vit à proximité des studios AB Productions, situés à la Plaine Saint-Denis. On se prend un mercredi après-midi à la porte du studio pour assister à l'émission. On fait la queue avec toutes les têtes brunes et blondes sans être invité. Comme les syndiqués du bagne rouge, nos cheveux crépus crient à l'injustice. Pourquoi eux et pas nous? Médusé, l'homme à l'entrée ne comprend pas comment des gamins peuvent parler avec autant de gravité et de tension. On détonne et on le sait. À part nous, ils sont tous blancs, alors que cette comédie La Grande Famille Dorothée, dans laquelle tout le monde est gentil et beau, se joue dans le département le moins pâleau de France métropolitaine. Instinctivement, je sens que mettre le doigt sur le fait que recaler deux enfants noirs du 9-3, ça ne se fait pas, monsieur, fait chanceler les types qui s'occupent des entrées. Sans doute, fallait-il payer pour entrer ou réserver par téléphone. Mais avec JP, on est loin de ces considérations, notre détermination enfonce les portes du club. On fait la naïveté en faisant croire qu'on ignorait qu'il fallait payer, qu'on ne sait pas où acheter les billets. On supplie pour qu'on nous laisse entrer. On y est. Les studios sont impressionnants. J'ai comme la sensation de participer à quelque chose de grand.
Avoir lutté pour obtenir ce privilège donne un goût particulièrement, particulier à ce moment de télévision. Hélène, Dorothée, les musclés, tous les petits monts qu'on met derrière nos écrans, ils sont tous là. Ils chantent, dansent pour nous et les caméras. On est néanmoins dessus que Dorothée lance les dessins animés sans qu'ils ne soient véritablement projetés devant nos yeux. Avec le recul, la plus grande déception est celle du goûter. Le Club Dorothée Pompe Afrique ne donne qu'une BN et une bouteille d'eau par gamin. Normalement, ce moment doit être celui de tous les excès. Les studios devraient nous arroser de douceur, comme dans Charlie et la chocolaterie. Je m'imaginais bouffer des friandises et des viennoiseries et en avoir mal au vide, me goinfrer de venger tous les jours où la faim m'a martyrisé mon estomac. Dépité, je croque mon unique béhan par le bas pour lui ôter son sourire hypocrite adulte et ne touche pas même à leur bouteille d'eau. Quelle bande de crevards! Cette sortie devient tout de même notre rituel péen. On y retourne régulièrement. Quel épisode! Ah oui! Autre grand paradoxe! Complètement. Pour le titre, c'est vrai que c'est Bala qui l'a trouvé, mais c'est vrai qu'en fait, il y a des moments, c'est pour ça que c'est bien d'être avec quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui prend du recul. Vous êtes dans votre vie et elle s'enchaîne à un rythme effréné. Et en fait, Bala was the one who came up with this title. And it's an example of how it's good to work with other people who have some distance from the material and can guide you. Mm-hmm. C'est même Bala qui m'a fait comprendre que mon père m'avait kidnappé. Ah, so Bala was really the person who pointed out to Bolewa that it was that his father had actually kidnapped him. Et c'est moi je disais que mon père m'a emmené au Congo sans que ma mère soit d'accord. Whereas I had always said, well, my father took me to the Congo without my mother knowing it. Et quand il m'a dit, mais c'est un kidnapping. And he said, well, you know, that's actually a kidnapping. I said, oh, yes. He said, okay. Et du coup, ce chapitre, c'est celui-là, bon, je m'en souvenais vraiment beaucoup plus facilement, mais c'est vrai, le « prends tes affaires, on part », c'était quelque chose qui était répété tout le temps. Yeah, so this idea of « grab your stuff, we're leaving », right, was something that happened so often. Et moi, je ne m'en rendais pas compte, c'était un rituel presque. So I didn't even realize that it just happened as a ritual would happen. Routine. J'attendais même presque le moment où, il allait le dire. Yeah, I was expecting the moment when he was going to say this, get your stuff, we're leaving. Et quand on a été du coup à Saint-Denis, qu'on était dans ce TV show. When we were living in Saint-Denis and then I went to this TV show. Eh ben, c'était paradoxal parce que à plein de points, ce show se trouvait dans un endroit où les gens vivait dans la pauvreté. Yeah, so this show was actually produced in a studio in a place where people were living in considerable poverty. Et comme tout le temps, bah, ces gens-là n'avaient pas accès à ce show qu'ils regardaient continuellement chez eux. And so the people who lived in the neighborhood where the show was made didn't have the right to go to the show that they watched on their television sets all the time. Et moi, ce show, c'est même lui qui m'a appris le français. And I had even learned French as a child from this show. Parce que je regardais tout le temps la télé. Because I watched it all the time. Et c'était le show principal de tous les enfants. And it was the main show that all the kids watched. Donc, y participer, c'était une très 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 grande victoire. So being part of it was like a big victory. Mais la désillusion, c'est que au final, eh ben, c'était, comme on dit chez nous, une pompe à fric. C'était pas. Yeah, it was just a money machine, this whole show, and it was a real disillusion in the end.
C'était comme une fantaisie sur l'écran, mais... Exactement. Mm-hmm. Sur l'écran, c'était très beau et toujours en direction des enfants, avec beaucoup de sourires. So beautiful and all, everything for children, avec des goûters. Des goûters, alors que dans la réalité... C'était même pas une bouteille d'eau, c'était un verre d'eau avec they got a little cup of water, gâteau. Yeah, and a little cookie. Alors qu'à l'époque, je pouvais engloutir 4 paquets comme Whereas ça. At that age, I could eat like 4 or 5 packages of cookies easily. Aussi quand vous étiez dans la file d'attente, when you were in the, they were in the, children were in the line waiting to go in, et vous étiez, ils n'étaient pas très nombreux, les gosses de couleur. Non. Justement, c'était, ce quartier regorgeait que de minorités. So the neighborhood was just only minority children. Saint-Denis est vraiment la ville où il y a le plus de minorités dans la France entière. So Saint-Denis is the town where there is the most ethnic diversity and minorities in all of France. Oui. Mm-hmm. Mais dans la file d'attente, but in the line to get into the show, il y avait que des blancs. There were only white kids. Et donc du coup, c'est vrai que nous, même en se mettant derrière, tout trahissait qu'on était du quartier, que ça soit nos habits et du coup notre couleur de peau. Yeah, so everything about us when we got in the line, from our clothes to the color of our skin, really showed who we that we were. C'était très caricatural. From the neighborhood. C'était très caricatural. Et donc du coup, c'est les années de débrouillardise au Congo et à Matete qui m'ont donné cet aplomb de toujours prendre les devants. Right, yeah, exactly. So all these years of life in the slum in Kinshasa, of having to really fend for yourself and really survive, served him very well in the end, because he was able to get into the show with those sorts of instincts. Et je devais avoir 8 ans. And he was about 8 years old at that time. So. Donc j'étais vraiment 2 ans après être revenu. J'étais un tout petit garçon. Okay, so we'll go on then. Club Dorothée, the age of 8. Life in Paris continues. But in 1996, at the age of 11, Bolloir finally makes contact with his mother, whom he has not seen since his father kidnapped him. C'est ça? Exactly. So some 10 years later, at the age of 11, Colette, his mother, whom he has never seen, her life has been very, very unstable. As we said, between the age of 20 and 27, she had 4 sons, including Bolloir, 2 of whom were taken from her and adopted by others. And she is living at this time in Martinique. And when Bolloir goes to live with her in 1997, he makes some interesting discoveries about his own identity, the way his identity is perceived by others. In Martinique. So Claire Jameson will read a passage from the chapter L'Enfer au Paradis, describing Bolloir's experiences when he goes to middle school in Martinique. Septembre, je débute ma seconde sixième. Ici, tout le monde porte l'uniforme, blanc en haut, bleu en bas. Encore une fois, le troupeau est contre moi. Pour mes camarades, je suis de la pierre race, le nécropolitain, c'est-à-dire le métropolitain africain. Très tôt, je signe mon arrêt de mort en cours d'histoire. C'est le chapitre sur l'esclavage. Le sujet me passionne. C'est la première fois que j'en entends parler. Entouré de cheveux crépus, je prends la confiance. Ça veut dire que vous êtes comme moi. Vous êtes Afrique. Silence. La multitude d'yeux braqués sur moi fait l'effet d'un fusil à canon scié. On joue.
feu. Non, on est des Martiniquais de la Martinique. Comme si les mecs avaient été déposés sur l'île aux fleurs par la petite cigogne. Je ne comprends rien. On parle de d'esclavage, de navires qui quittent l'Afrique, mais ils ne veulent rien entendre. Les mecs ne sont pas au clair avec leur identité. Et en réveillant cette blessure, je deviens le bug à abattre. J'ai du sang du métropolitain qui les a esclavagisés et le sang noir de l'afro-traître qui les a vendus aux blancs. Même la prof d'histoire s'y met et s'énerve contre moi. Bolewa, tu sors. Je me casse en cognant la porte. J'y laisse un trou béant. J'ai failli me faire virer. Rage. Désespoir. À la sortie du collège, on m'attend pour me gumer. Les insultes pleuvent. Vaut mieux être un blanc de l'hexagone que noir africain de la métropole. Détestation de soi. Pendant 2 mois, c'est le même cinéma. Je suis le gnu que les hyènes prennent en chasse. Je tape des sprints pour rentrer chez moi en avoir des points de codier. Le collège est à 5 minutes de notre immeuble. Avant 1950, Terreville vivait de l'agriculture vivrière et du business de la canne à sucre qui alimente les distilleries qui produisent du rhum. Depuis, l'économie autour du sucre a chuté et les terres ont été démantelées petit à petit. Le quartier a commencé à s'effondrer et les gens à prendre le large. L'urbanisation a débuté à partir des années 1970. Comme dans beaucoup de territoires en reconversion, on a fait pousser des bâtiments, mais pas forcément l'activité économique qui va avec. Le cadre environnant est agréable et le vert est la couleur dominante. Cela n'empêche pas les habitants pauvres de s'entasser dans les tours HLM. Le quotidien est à Terreville. C'est une vie. Le quotidien à Terreville, c'est une vie désolante. Tout le monde reste dans son bloc. Il y a un centre commercial. Les gens s'y retrouvent sans forcément pouvoir s'offrir grand-chose. Les produits de la métropole coûtent une blinde alors qu'on est censé être en France. Tout tourne au ralenti. Tout le monde est en voiture. Il n'y a jamais personne dans les rues. Sans voiture, c'est vite compliqué de se déplacer. La jeunesse est coincée entre les immeubles, le parcours santé et le terrain de foot. This experience of going to Martinique, cette expérience à la Martinique, en Martinique. Alors, encore une fois, vraiment, il y a 2 choses là avant de rentrer dedans qui sont intéressantes pour moi. There are 2 things that are interesting to me. Tout d'abord, on est tous les deux contents quand vous lisez nos mots d'argot. It makes us very happy to hear you read our slang words, those slang words we used. Parce que c'est véritablement ça aussi notre identité. Because that's really a part of our identity. Et qu'on apporte du coup cette identité de l'autre côté de l'Atlantique. And taking it over to the other side of the Atlantic. Et du coup, ce qui fait office aussi de notre combat, qui était celui contre Sarkozy, mais celui contre le monde qui cherche à nous mettre dans des cases et nous empêcher d'être qui on est. Which is part of our objective to work against being put into boxes, if you will, and told who we are. Et donc vraiment merci. C'est, à chaque fois quand on rigole, c'est plus un truc de ah ouais, elle a dit goumé. Goumé is fight. C'est un mot. C'est voilà, ça vient de. So it's a real pleasure to hear you pronounce goumé. Goumé ou ouf ou le mec. Alors la Martinique. Je pense que c'est ma plus grande défaite. Mm-hmm. Oh, so Martinique was really a defeat. C'est la seule fois
où je n'ai pas réussi à prendre les devants du troupeau. Mm-hmm. So that was the first time that I didn't really manage to get ahead of the troop and get ahead of the herd and really assume a kind of maîtrise de oui, la situation. Complètement. Mm-hmm. Alors, parce que c'était très compliqué. Because it was so complicated. Et que j'étais trop jeune. And I was too young. Je venais de rencontrer ma mère. I just met my mother. Que je ne connaissais pas. Whom I didn't know. Je découvrais des histoires et du coup des petits frères que je ne savais pas que j'avais. I discovered a past in my family and brothers that I didn't know I had, younger brothers. Que j'étais l'aîné. Uh-huh. And that I was their elder brother. En même temps, je découvrais un territoire qui avait été esclavagisé. Mm-hmm. And at the same time, I discovered a territory that had been operating under a slave system. Quelque chose que je ne connaissais pas parce que c'est pas étudié à Paris. Uh-huh. Which was something I didn't know about because it wasn't studied in school in Paris. Et en plus, sur ce territoire, je me devais d'aller à l'école alors que l'école mm-hmm. était un endroit où j'avais du mal à m'y concentrer. Mm-hmm. And I had to go, I was required to go to school, whereas it was a place where I couldn't focus, I couldn't concentrate. Parce qu'il y avait tout l'extrascolaire qui, mm-hmm. qui me prenait la tête. Uh-huh, because everything that was going on outside of school really was taking over my headspace. Alors quand j'ai dit à ma classe, ben vous êtes africain comme moi. When I said to my classmates, well, you're African like me. C'était plus une envie de rassemblement. Uh-huh. It was que d'exclusion. It was more a desire to bring them together than to exclude. Et donc j'ai pas compris en fait cette exclusion uh-huh. du groupe et même de la prof au final. Uh-huh. Uh-huh. And so I didn't understand this movement of exclusion on the part of the children, but also on the part of the teacher, because the teacher really sides with the Martinique children and saying, you're different. C'est ça. Mm-hmm. Et du coup, c'est bien plus tard que j'ai vraiment compris tout ce qu'ils me reprochaient uh-huh. et tout ce que j'incarnais pour eux. And so it was only later that I understood what they were really holding against me and what I really embodied for them. Donc le blanc qui les a esclavagisés, uh-huh. le noir qui les a vendus et le métropolitain, donc celui qui vient de la métropole, yeah. Paris et l'Hexagone, qui continue de les coloniser. So I was at once the white person who had been the slave owner. I was the black person who had sold them. Ouais. Well, we could come back to that. But also the metropolitan person, oui. right? From the metropole, from mainland France, who had exploited the situation. Est-ce que je peux poser une Vas-y. Question? Pourquoi oui. est-ce que tu pourrais expliquer un peu cette notion de le noir qui les avait vendus? Parce que le noir qui les avait vendus, parce que mon père étant congolais, uh-huh. et because my father having been Congolese, et du coup n'ayant pas fait l'objet dans ses ancêtres, en tout cas. Uh-huh. De la déportation. Uh-huh. And my father had not been among those in our family, those who were deported and enslaved. Enslaved. Donc potentiellement, uh-huh. il aurait fait partie uh-huh. so, de ceux qui auraient uh-huh. vendu ses frères. Uh-huh. So, but he was potentially part of those that might have sold. Je pense qu'on a une question là. In French or in English? In French. French, parfait. Mais you translate. Okay, maybe. So
Tu disais que quand tu étais en Martinique, les Martiniquais te disaient « Nous, on n'est pas Africains, on est Martiniquais. » Et je voulais juste savoir si quand tu es retourné au Congo récemment, est-ce que tu as le même problème? Est-ce qu'on te considère comme un Congolais ou comme un Français, puisque tu es resté la plupart de ton enfance, de ta vie en France, et que je sais que de la plupart des jeunes qui sont issus de l'immigration ont toujours ce problème, on leur demande « Tu es Français ?» ou « Tu es Congolais, tu es Français, tu es Algérien ou Marocain ?» Donc je voulais savoir quelle était ta situation quand tu es retourné récemment. Now in English. Okay, so I was asking him because when he was in Martinique, people from Martinique were telling him that they were from Martinique, they were not African. So I was wondering if when he went back to Congo a few weeks ago, he had the same issue where people were telling him, okay, now you're French, you're not from Congo anymore. Because most of the people from immigration in France, we always have to deal with this kind of question. So that was basically the question. There is a good question, but the answer is in the book. It's a good question, but the answer is in the book. mais c'est vrai que la plus belle remarque que m'a faite ma famille quand je suis rentré il y a 10 jours pour enterrer ma grand-mère, c'était que j'avais réussi à prendre le bon côté des Occidentaux sans oublier que j'étais aussi Africain. Oh. Et so the remark when I went back recently to the Congo from my family that I appreciated the most was that I had managed to assimilate the good side, the good part of being from the West, without losing the good part of being from Africa. Et parce que quand j'étais 7 ans auparavant, quand je suis revenu voir ma grand-mère, donc en 2012, quand je quitte Paris, et une fois je leur ai proposé d'aller visiter une réserve de bonobos. So when I had gone back in 2012, when the book starts, to visit my family, and I had proposed to them to go to a réserve de... Une réserve, un parc de bonobos. To a natural reserve park with monkeys and animals. ils m'ont traité de blanc. They thought I was acting like a white person. Because I wanted to go to the natural reserve. Parce que là-bas, on n'utilise pas l'argent pour faire du tourisme. Because there we people don't use money to do tourism, like go to a natural reserve. On est tellement dans la survie que l'argent doit être utilisé pour quelque chose d'utile. Because we're so preoccupied with just survival that money has to be used for useful things. Donc, quand j'ai quitté le Congo à ce moment-là, pour eux, j'étais le blanc de la famille. And so when I left the Congo in 2012, I was, for them, the white guy from the Congo. Parce Et tu n'es pas resté très longtemps. Non, mais c'est dans le livre, il ne faut pas trop l'ordre. Yeah. Mais parce que juste cette idée de black and white, c'est que au Congo... Le blanc n'est pas tant la couleur de peau, vu que tout le monde est noir. Uh-huh. C'est plutôt la mentalité. So being white in the Congo is not so much a matter of skin color as it is of mentality. Et donc, du coup, moi, qui suis noir en Occident, je suis blanc en Afrique. So while I am black in the West, I am white in Africa, or in the Congo. Ah ben, nous sommes au milieu du livre. On a fait la moitié. We're just in the middle of the book now. So, and it's already 8:15. So I think we're going to speed up slightly. I had really, in the selecting the passages, wanted to, show passages where you could see Bolewa's trajectory, especially as a child. The second half of the book has to do more with your engagement in political activity in Paris. And so maybe we will fast forward for the last passage
to that. Bolivar does survive his childhood. He returns to Paris, he goes to school as an adolescent, he meets a series of challenges including homelessness for long periods of time, alone, dire poverty, failure at school. Resilience is really a leitmotif throughout this narrative. But he manages always to stay involved and to stay interested in life and in improving his life, and also I was impressed with the concern you have for those around you. Les gens autour de toi ont toujours fait une grande préoccupation dans ta vie. Notably, your mother and your brothers, and especially your youngest brother, Johan, who is tragically killed in a bike accident on a highway in Martinique. I would like to do, for our last passage is going to come from the next to the last chapter, which has to do really with your, what you're involved with now, to make a nice circle back. Sophia Seidenberg is going to read from the chapter Va, Vie, Agis. We're going to fast forward. This part of the chapter has not yet been translated. So it's on your handout, but it's in French because we still have to do the translation. Le 8 mars 2016, je rencontre à Paris le docteur Mukwege, un médecin qui soigne et recueille gratuitement les femmes victimes de violences sexuelles au Congo. Un documentaire intitulé L'homme qui répare les femmes finit de dessiner les contours de sa légende. À la question « Comment puis-je vous aider ?», il répond « Nous avons reçu beaucoup d'aide de la part des Occidentaux en termes de psychiatrie, mais ça ne fonctionne pas. Les femmes n'ont pas cette culture de s'allonger pour raconter leur histoire à des inconnus. Le docteur m'indique qu'elles sont plus réceptives au chant et à la danse. Maintenant, je sais ce que je vais faire. Mettre la danse au service de la santé mentale et de la reconstruction d'individus brisés. Le docteur a tracé mon chemin. William accepte de faire de ce combat la priorité de l'OBA. Au mois d'août, je boucle mon mémoire sur la communauté Different Leaders en tant qu'outil d'émancipation, d'empowerment et de transformation sociale pour des jeunes issus de milieux modestes. Avec une note de 13 sur 20, j'arrache un master en sciences politiques de Paris 1 Sorbonne. En dehors du brevet des collèges, je n'avais pas de diplôme. J'ai vaincu mon complexe d'infériorité. J'ai réussi à me prouver que mon problème n'a rien à voir avec un manque d'intelligence scolaire, juste une sale orientation. L'année prend un nouveau tournant avec l'invitation à partager mon regard sur l'harmonie et le vivre ensemble lors d'une conférence TEDx intitulée « La rage de vivre ». Dans ce premier partage de ma vie en public, accouche ma volonté de la raconter au plus grand nombre. Ce livre en est la matérialisation. Toutes ces expériences m'ont appris un mot, la résilience. So this chapter really takes us up to the present almost. Perhaps you could explain to us what your activities are right now. Quelles sont tes activités en ce moment? Tout d'abord, revenir un petit peu sur ça, c'est que tous ces moments, tous ces moments qui sont racontés dans le livre, ont eu, évidemment, on le raconte avec Bala, avec comme nous on aime le raconter, c'est-à-dire avec légèreté, avec puissance,
sérieux, mais jamais sans tomber dans le pathos. Right. So Bala and I, as we were writing up all of these moments throughout the book, we wanted to do it with an appropriate level of seriousness, but also lightness, but certainly never falling into a register of pathos. Mais, et aussi parce qu'on avait du recul. And also because we had some distance from Mais dans la réalité, j'ai frôlé la folie et j'ai frôlé la mort. But in reality, I came, you know, very close to death and danger and madness. Et j'ai eu la danse, moi, pour justement juste frôler la folie et la mort. And so I used dance as a way to rub up against death and madness. Parce que c'était un outil d'expression, c'était un outil de rencontre, c'était un outil économique. It was an instrument of expression, of meeting people, of living. Living. Économique, tu as dit. Économique. Je gagnais ma vie en donnant des cours de danse. A way to earn a living. C'était aussi un moyen pour moi d'ancrer mon identité dans mon africanité. It was also a way for me to really ground my identity in my africanité, in my African identity. Parce que la langue est une identité. Because language isn't an identity. Et le fait que mon père m'ait obligé à quitter, à ne plus parler le Lingala. And my father had forced me to no longer speak Lingala. Si je n'avais pas eu la danse, j'aurais perdu ma congolité, comme on dit. If I had not had dance, I would have lost my Congolese identity. Donc, du coup, la danse vraiment m'a sauvé de la folie mentale. And so dance saved me from madness. Et quand j'ai rencontré du coup le docteur et qu'il nous a dit ce qu'on vient de lire, ça a fait tout de suite écho avec mon histoire. And so when I met the doctor, this is Dr. Denis Mukwege, what he was proposing to do corresponded to my own story. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment su que ma vie, et surtout après être allé à la Fondation Panzi à Bukavu en 2017. And from that point on, I knew that what they were doing at the Fondation Panzi of Dr. Mukwege in the Congo. Et ben, j'ai su que ma vie allait être d'utiliser et d'utiliser la danse pour permettre à tout le monde, mais surtout en particulier les femmes, de ne pas sombrer dans la folie ou de se reconstruire si elles ont sombré. I knew that I would want to use my life to help women also use dance in order not to fall into a kind of pit of madness. Et ce livre, moi, j'en avais rien à faire de raconter ma vie à 30 ans. This book, I had really no interest in telling my life story at the age of 30. Parce que avant d'en parler à Bala, je l'avais déjà écrit moi-même pour moi, pour mes archives. Because even before meeting Bala, I had already written all of this down for myself, for my own personal. J'avais déjà mon manuscrit qui était une sauvegarde parce que j'avais trop de choses en tête. I had everything saved in these. I had too much in my head, so I had this saved in writing. Mais lorsque j'ai décidé de faire de cette action ma vie. When I decided to take on this commitment of. Je savais que ça allait pas être facile parce que je partais de très loin. I knew it wouldn't be easy because I was coming from a good distance away. Et que je n'avais, en apparence,
je n'avais pas la légitimité de la médecine. I don't have legitimate credentials of medical credentials. J'étais pas un danseur reconnu nationalement ou mondialement. I wasn't a nationally recognized dancer. La question du droit des femmes, le fait d'être un homme pose toujours des questions. And taking on women's rights as a cause, if one is a man, is always going to raise eyebrows. Et du coup, la seule chose que j'avais, c'est le fait d'être noir et de dire que j'étais congolais. Ça pouvait passer. So the what I had left was to say that I was black and Congolese. Et vu que je fais ma vie en France, au final, être noir, congolais et parler des femmes au Congo, c'est juste pas intéressant. C'est trop facile. So the fact that I was black, that I was Congolese, and I wanted to talk about women in the Congo, in France, didn't seem to interest anyone. N'était pas intéressant. Non. N'intéressait personne. Mm-hmm. Wasn't interesting to anyone or didn't. Jamais. Mm-hmm. Et donc, il fallait avoir une stratégie pour justement faire que les gens s'intéressent. Mm-hmm. À ces différentes actions, la santé mentale, par la danse, les femmes et le contexte des violences. So it was necessary to find a strategy for talking about mental health for women through dance. Et c'est là où le TEDx, dans un premier temps, et puis ensuite le travail avec Bala, dans un deuxième temps, d'écrire un livre. Mm-hmm. Eh ben, écrire un livre en France, c'est, et même dans le monde, mais tout de suite, ça nous met sur un piédestal. Uh-huh. So the TEDx video plus publishing a book, which is a necessary element in the French scene for really promoting one's cause. Et du coup, ça nous a ouvert des portes qu'on n'aurait pas pu ouvrir avant sans ça. So that opened doors for us. Peut-être qu'on peut ouvrir pour des questions. Et du coup, juste pour terminer, dans mes activités aujourd'hui, c'est justement de, un, danser, principalement. Je suis danseur, chorégraphe. Deux, c'est de travailler avec des femmes qui sont victimes de violences sexuelles sur des ateliers pour leur permettre de se reconstruire. So my work today is to work with women, to work with through dance, to reconstruct their lives. Et trois, c'est de faire de la recherche et du coup le développement de notre modèle de psychothérapie qui allie un danseur et un ou une psychothérapeute. And to do research into this type of psychotherapy that connects a patient, if you will, with a dancer. Donc aujourd'hui, c'est véritablement, et puis tout ça dans le cadre d'une association, une NGO, où du coup j'en suis le directeur avec tous les gens qui travaillent dedans. And so all of this is under the umbrella of an NGO, SHA, association. Oh, NGA. Ouais. Et dont je suis le directeur. Ouais. Yeah, of which I am the director. On peut mettre la vidéo? Oui, bien sûr. C'est une courte vidéo d'une minute. We have... Yeah, the one la danse. C'est à la Fondation Panzi. This is at the Fondation Panzi
the clinic, one of the clinics of Dr. Mukwege in the Congo. So I have a question. I was wondering whether the two of you could talk a little bit more about the writing process that you had, how you worked together, maybe what some of the challenges were. Donc le processus d'écriture, en fait, c'était comment réussir à, comme tu le disais, à ramasser plein de d'épisodes, en fait. So the process of writing was really bringing together a whole lot of episodes. Et leur donner une unité, comme au théâtre ou comme dans la poésie, en fait. And give them a kind of organization and. Et pour le procédé d'écriture, c'était le Bolewa avait parlé de son manuscrit qu'il avait écrit. Mm-hmm. So Bolewa had a manuscript. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'était pas de réécrire le manuscrit. And so what I did not want to do was just rewrite the manuscript. Mais c'était de proposer une création littéraire. En fait. Mm-hmm. But to rather work it in a literary sense, work what the manuscript was in a literary way. Donc le manuscrit, c'était un premier matériau. Mm-hmm. Après, il y avait plus de 50 heures d'entretien audio. And there were also over 50 hours of audio interviews. Que j'ai intégralement retranscrit. Mm-hmm. Which I transcribed. Et passé ça, il y avait aussi tout le travail de journaliste. Mm-hmm. And all the journalistic type work. Donc j'ai demandé à la documentaliste de mon journal de sortir tout ce qu'elle pouvait trouver sur Bolewa Savoir. And so I asked the researchers at my newspaper Libération to find for me all of the material available on Bolewa. Et il y avait aussi des vidéos sur YouTube, etc. Et il y avait aussi des longs statuts Facebook que Bolewa écrivait qui étaient autobiographiques. Ah, so with all of that, including videos and long Facebook posts that were autobiographical and had been written by Bolewa. Et une fois qu'on a tout ça, un manuscrit, 50 heures d'entretien, des statuts Facebook, des articles, c'est comment on trouve la musique. So with all of that material, it's like finding music. Et c'est là où, en fait, c'est là où le travail est le plus compliqué, parce que vous avez vraiment beaucoup de choses. Et c'est comment travailler à être synthétique, mais en gardant l'essence. And so it's complicated to take all of that and to try to synthesize. Et c'est là où, en fait, il y a vraiment un travail d'écriture très axé sur la musique, parce que l'idée, c'était de écrire le livre comme une danse avec Bolewa, en fait. And so the writing itself was very much grounded in music, in beat, rhythm. Et c'est en ça où il a dû me faire beaucoup confiance, en fait. And there he had to really, really have confidence in me and confide in me, I would imagine too. Et que sa confiance me forçait à ne pas trahir ou m'accaparer son histoire ou l'en déposséder. And so the confidence he had in me really forced me not to betray or go away from in my writing his actual story. Et chaque chapitre était chaque chapitre était en avance écrit, j'écrivais avant un entretien, parce qu'on en fait c'est un processus d'écriture en cours d'entretien. So you were writing the chapters before you would meet to speak together. C'est ça. Et le rituel à l'entretien, c'était qu'est-ce que tu penses du chapitre précédent? Oh. Y a-t-il des choses à modifier, etc., avant d'aller plus loin? Okay. Et aussi que lui puisse ajouter, réécrire. Okay, so each meeting was then a matter of going over the preceding chapter, what would you rewrite, change, etc.
ask in English, I guess. It concerns both of you. Borlewa, I was struck by something you said last night, that one reason you turned to dance was that you had found that traditional psychoanalysis and psychotherapy, Freudian Western psychotherapy, was ineffectual in the cases that you were dealing with, and so you needed some alternative method, and you went towards dance. And you've devoted your life now to dance, and to dance as therapy. You yourself, of course, as we learned tonight, you've gone through a great deal, many difficult experiences. You spoke about proximity to death and to madness. And it struck me that Balia, and in the process of writing the book together, I think we were all very struck by how Balia was able to name something that you had not allowed to rise to consciousness. That's to say that you were kidnapped. And so you were engaged in sort of like a talking cure. And I was wondering if there was something curative about the process of writing the book, especially writing the book with Balia, that has been helpful to you and your own in the healing that you too must have to do. Merci de la question. Il est, en fait, le manuscrit que j'avais déjà écrit avait été véritablement ma vraie cure, parce qu'elle m'a permis moi-même déjà de mettre à distance mon histoire et du coup de la comprendre dans l'écriture. Uh-huh. So already the first manuscript that I wrote was a kind of cure therapy, because I had been able in writing it to establish a certain distance. Et du coup, celle-ci, elle avait aussi commencé par les statuts Facebook que l'on a mis dans le livre, parce que sans m'en rendre compte, j'avais un besoin d'expression au-delà de la danse. Including the Facebook posts that were incorporated into the book, because I needed to have in my profile something beyond just dance. Mais il est vrai que sur des détails que j'ai ratés, parce que justement, on ne peut pas s'auto-analyser tout le temps avec perfection. Yeah. But in fact, there were details that I had missed, because one doesn't continually self-analyze. Eh bien, c'est là où le travail avec Bala m'a permis encore d'approfondir certaines choses, certains détails très importants, comme mettre des mots sur un processus qu'on avait vécu. So that's where the work with Bala in writing the book allowed me to really go deeper into and give form to certain elements. Parce que j'étais conscient que c'était pas bien ce que mon père avait fait. Because I was aware that what my father had done to me was not a good thing. Mais et j'avais conscience du processus, mais c'est important d'avoir un mot qui résume tout ça. Because I was aware of it, but it was necessary to put a name on it, a word on it. Comme kidnappé. Comme prends tes affaires ou pas. So these words like get yourself, we're leaving, or... Parce qu'en même temps, il est difficile de réussir à sauver sa vie, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne gagne pas des 1000 et des 100. So it's hard to save one's life. Quand on est tout seul, de s'analyser en même temps. To analyze oneself. Et d'essayer de travailler. And to work at the same time. Donc du coup, c'est vrai que j'ai toujours essayé de m'entourer de gens parce que je pouvais pas tout faire. So I've always tried to surround myself with people because I can't do everything by myself. Very much for yesterday and also for today. So writing, what is your relationship with your body? So when you write, what kind of role does your body play? Alors,
Mon corps, c'est ma maison déjà. My body is my home. Parce que quel que soit l'endroit où je suis allé, wherever I go, les seules choses qui m'est restée, c'est mon corps. The one thing that has always remained to me was my body. Congo, France, Congo. Martinique, USA, c'est lui qui me porte. Et s'il venait à flancher, je ne pourrais plus justement m'en sortir. And so if my body gave out, I would not be able to deal with it. Ça, c'est le premier point. Mais mon corps, c'est aussi mon identité. C'est qui je suis. My body is my identity. It's who I am. C'est la perception que les autres ont de moi. It's the perception others have of me. Parfois, ça a été très très bien, très efficace. Sometimes it was very good and very efficacious. Parce que quand on voit dans la perception des gens, quand on voit un homme noir qui est bâti comme ça, on se dit pas qu'il a des problèmes. So in the perception of others, when you see a photo of a bare-chested black man like that, shaped, in good shape, you don't say, I'm sorry, you're the... Qu'il a vécu tout ça ou qu'il a autant de problèmes. Oh, that he has so many problems in his life. Et donc, ça me protégeait de la pitié et du regard écrasant des autres. So it protected me from the pity of others and the sort of pitying look of others that would have crushed me. Ce qui me permettait aussi d'être parfois dans le déni que j'avais besoin pour essayer de ressembler à tout le monde. Which allowed me also to deny the fact that I felt a need to be like other people. Et en même temps, parfois, à un moment donné, c'était un poids d'avoir ce corps parce que justement, on pouvait me refuser un certain handicap émotionnel et mental. But then it became a problem because the body that he had was depriving him of the recognition of having a kind of handicap, a kind of problem. So the appearance of the body so in such a good shape. Donc c'est le paradoxe que j'entretenais avec mon corps. Aujourd'hui, j'ai réussi justement parce que j'ai aussi la parole, la voix, à aligner mon corps avec qui je suis à l'intérieur et qui je suis à l'extérieur. So now more and more that I also have speech and am able to express myself that way, I can align my body better with what is really going on inside of me. Juste pour compléter votre question. Complete your question to Professor Connor. Yeah. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi on écrit avec quelqu'un ou on écrit pour quelqu'un? Comment ça well, fait? People say, why do you write for somebody or write with somebody? Et je crois beaucoup que les rencontres qu'on fait, les choix qu'on fait, nous sont imposés par une force extérieure. I think the people we meet are is somewhat in some way comes down to us from a force bigger than us. Et quelque part dans ma vie, dans l'éducation que j'ai eue, dans les rencontres que j'ai eues. In my life and my education. Beaucoup de choses m'ont préparé à ce moment en fait. Oh, a lot of things that I had done really were leading up to this moment. Par exemple, très tôt, j'ai commencé à écrire pour les autres. Very early on, I was writing for others. Ça a commencé à 12 ans. Even at 12 years old. C'était moi qui écrivais les courriers administratifs de ma mère qui sait ni lire ni écrire. I was writing really a business type, administrative type correspondence for my mother who didn't know how to read or write. Et je devais aussi lire les courriers et les traduire en bambara.
And I had to read them and translate them for into my mother's African language. Et quand quand ma mère a vu ça, j'étais devenu un des enfants de la famille de la diaspora qui traduisait, lisait et écrivait pour les autres. And so I became one of the children in the diaspora who did that role, that is to read and translate and write for others. Et plus tard, ça a quitté la diaspora pour aller dans le quartier que j'habitais, qui est un quartier très pauvre, où il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à l'école. And so later on, when I left and I went and lived in a neighborhood where people had a lot of difficulty. J'étais vu comme celui avec qui on pouvait négocier des devoirs, et donc il m'arrivait. I was the one who could do people's homework for them. At a price. C'était spécialement dans les langues et en français. Especially in whatever was languages, French. Et passé ça, dans mon quartier, j'ai hérité d'un surnom. And so in my neighborhood. Il m'appelait Black Cyrano de Bergerac. And I had a nickname which was the Black Cyrano de Bergerac. Parce que cette époque était venue avec l'époque des textos illimités. Oh, and this was in the era of unlimited texting. Et des personnes plus âgées, alors and que moi j'avais... Older people, people older than me. Me demandent de laisser leur téléphone le soir en disant, décroche-moi un rendez-vous avec cette fille. Oh, so people would leave me and their telephone and say, get me an appointment with so-and-so. Yes, I'm sorry, or a date. Et donc, très vite, entre mes parents, la diaspora, j'ai très vite dû apprendre à demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent dire et essayer de le dire du mieux possible. So very early on, I had the habit of asking people, what is it that you want to say exactly, and then using that. Et prétendre écrire comme si je ressentais ce que la personne voulait dire. And then I would pretend to write in my writing to be able to feel what they wanted to say. Et si bien que des fois je devais apprendre à équilibrer, parce que lors des rendez-vous une fois obtenus, les gens disaient, tu es moins doux en vrai que par texto, qu'est-ce qui se passe? So sometimes when the actual dates would happen, I would then be saying, well, what's the matter? You seem less nice than your texts. Et là, on venait me voir en me disant, il faut que tu fasses un texto d'explication. Oh, and then you have to do a text of explication, of explaining yourself. Et donc oui, c'est un rôle d'écrivain public, mais pas officiel. So it was a kind of public writer role, but not in an official way. Et je crois que ce livre, c'est aussi une des manières de l'officialiser. And so this book is one way of making that role more official. So my question is about the other side. When you're past the process of writing the book, you'd mentioned the process of this being legitimizing in a certain way for your organization and your group. But I wanted to know, who were you thinking about as readers while you were writing this book? Mm-hmm. And this can be a hypothetical question depending on the desires of the presenters. For those translating, who are you thinking about in your translation? That's a good one. Qui sont vos lecteurs? Ouais, ouais. Nos lecteurs sont à l'image de qui on est, en fait. Ils sont aussi bien les gens qu'on a rencontrés dans. So these are people that we have met. À l'université, puisqu'on est tous les deux allés à l'université. So people in academic settings, because we both come from, we've been to the university. Et qui sont aussi très intéressés sur les questions de minorité, de politique, diversité. Who are interested in questions of minority, of diversity. Malheureusement, c'est très rarement nos familles. Unfortunately, it's
not very often that it's our families. Parce que soit ils ne savent pas lire, soit ils détestent lire. Because either they don't know how to read or they don't like reading. Globalement, on a été étonnés de la portée de ce livre. But overall, we've been quite surprised by the reception of this book, the way that it speaks to people. Il nous est arrivé de faire des interventions dans des villes très 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 éloignées des lieux où on a pu vivre. We've actually spoken in public in towns very very far from where we live and would normally think. Des gens de 70 ans qui ont vraiment apprécié, qui font un groupe de lecture. Book clubs for people in their 70s even. et qui étaient très très intéressés par les différents sujets qu'on aborde dans le livre. But who are still very very interested in the subjects we talk about in the book. Mais aussi par un public de qui sont touchés par les questions de résilience, par la santé mentale. Also by people who are interested in questions of mental health, of resilience. Beaucoup invités à des psys, dans des conférences de psys. In meetings of psychotherapy, therapists. Mais au fond, je pense qu'on n'a pas touché, on a touché que 10% de ce qu'on peut toucher. But we've only touched maybe 10% of what we could potentially touch. Parce que reach. On a deux problèmes qui ne sont pas des problèmes pour nous. Le premier, c'est qu'on est dans une très petite maison d'édition. On n'en a pas parlé, mais il faut en parler. So we have two sort of problems. One is that our editor is a very small publishing house. Qui c'est une jeune femme, quasiment toute seule, d'origine algérienne, qui a lancé sa maison d'édition en France. A young Algerian woman who is working practically alone and started up her own publishing house in France. Sans avoir le réseau. Without having a network. Des maisons d'édition. Of publishing houses. Et des librairies, parce que ce sont des entreprises très très anciennes et très élitistes, très fermées. So she doesn't have the networks that the older, bigger, established publishing companies have. Et aussi parce que c'est son quatrième livre. And it's her fourth book. Ça c'est un des premiers aspects, mais c'est pour nous c'était important d'écrire ce livre et de le sortir chez elle. But we really wanted to publish it with her. Parce qu'elle nous ressemble. Because she's like us. Parce qu'elle nous a laissé écrire comme nous on voulait l'écrire, avec de l'argot, avec des sonorités africaines, avec un langage soutenu. Because she let us write it the way we wanted to, with slang, with African sonority and musicality in it. Et du coup, ce livre nous ressemble trait pour trait, And so mot pour mot. This book is the spitting image of us, really. Mais le deuxième problème, c'est qu'on est noir. But the second problem is that we are black. Et que du coup, dès que les gens voient la couverture, ils disent non, c'est pas pour moi. And when people see the cover, they say, nope, that's not for me. Et tout ce que ça, et tout l'imaginaire plutôt que ça renvoie. And all of the sort of imaginary imagery that particular photo evokes. Donc, du coup, les gens sont très, très, très étonnés quand ils rentrent dans le livre. Que ça soit par la technique et que ça soit par l'histoire. So people are very, when they start reading the book, very surprised by the technique used and also by the story itself. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que vraiment,
on a touché que 10% des gens qu'on peut toucher. That's why we think we've reached maybe 10% of the potential audience. Parce que les retours des gens, c'est vraiment, eh ben, ça m'a rappelé quelqu'un, ça m'a fait penser à moi, je me suis reconnu. Mm-hmm. Because people say, ah, this reminds me of myself, this reminds me of someone I know. Et en fait, quand les gens arrivent à se reconnaître dans notre histoire et dans cette histoire qui au demeurant pourrait être pas commun, uh-huh. Et ben c'est le plus beau cadeau que l'on peut nous faire. And so when people recognize themselves in our work, that's the greatest gift we can ever get back in return. Merci beaucoup. Merci à vous. Bolewa et Bala. Bala, tu voulais ajouter quelque chose? Pour continuer de te répondre, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Bolewa, mais il y avait une part de pari aussi, c'est qu'on avait souvent l'habitude d'essayer de partager des livres et des lectures avec des proches. Uh-huh. So we've often shared our readings and our in your work too. Uh-huh. With those friends and family around you. Mm-hmm. Et souvent, ils nous rendaient un livre ou ne nous donnaient pas de nouvelles parce qu'ils n'avaient pas réussi à le finir. Ah, and they would give the book back to you, other books, because they didn't finish them. They didn't feel like finishing them. Ou ils nous rendaient jamais le livre, mais on savait qu'ils n'avaient pas fini. Or they didn't give back the book, but we knew they hadn't finished the book. Et la vie est assez dingue parce que une des personnes avec qui j'ai vécu ça est dans l'audience aujourd'hui. Oh, so there are people like that. J'ai pas compris. Ce qui est assez fou, c'est qu'une des dans l'audience, il y a une personne avec une chemise rose ici. Oh, so there's somebody in the audience who's wearing a pink shirt, who's in that category. Et qui n'avait à qui j'ai prêté. À qui j'ai prêté plusieurs livres. Uh-huh, to whom I lent several books. Et il les a pas finis. And he never finished them. Et il me les a jamais rendus. And he never gave them back to me. Et il travaille ici. Et uh-huh. Donc, dès que j'ai su que je pouvais venir ici, je l'ai rencontré et je lui ai donné le livre. Oh, and so when I knew I was coming here, I met up with him and gave him the book. Et quelque part, je me suis dit que s'il ne finit pas le livre, ça veut dire que quand même j'ai raté un des projets initiaux. Oh. And so I said to myself, well, if he doesn't finish this book, then I will have really failed at one of my initial objectives. Parce que pour moi, lire un livre, c'est comme un combat de boxe, en fait. Uh-huh. So reading a book is like a boxing. Et c'est une bagarre avec un auteur ou des auteurs. Uh-huh. So it's like a fight with an author. Et on a envie que la personne reste jusqu'au 12e round. J'ai pas entendu. Et on a envie que la personne reste jusqu'au dernier round. Okay, so we would like for people to go for the to last until the last round of that fight. Et j'ai eu la surprise de voir qu'il a fini le livre en une après-midi. Okay, and I was very surprised to find and pleased to find that he had finished the book in one afternoon. Et l'avoir ici, avoir le livre ici, ça me fait penser à une formule de Bell Hooks que j'aime beaucoup. Uh-huh, that reminds me of a formula of Bell Hooks. Oh, Bell Hooks. Uh-huh. Et un livre aussi qui s'appelle From the Margin to the Center. Uh-huh. From the what to the center? From the margin to the center. Mm-hmm. Et ce livre, c'était aussi ramener les marges au centre, en fait. Uh-huh. And this book is about bringing the what is in the margins to the center. Mm-hmm. Et de créer un endroit où les gens peuvent se lâcher et connecter avec le livre. Uh-huh. Et même ceux qui ne lisent pas souvent, ne pas lâcher le livre. Donc il uh-huh. n'y a pas de... On a évité les contraintes comme les notes de bas de page, etc. Uh-huh. Un lexique de uh-huh. l'argot pour vraiment créer une fluidité pour uh-huh. que les gens rentrent dans le uh-huh. ring. So not having footnotes and using argot and really promoting a kind of fluidité, a fluid style was extremely important to the objective of keeping the reader there till the last round of the fight.
Et donc je pense que l'audience peut aller voir Bassirou qui est au fond. Okay, and so we can all go speak with Bassirou. Okay. Parce que c'est une des réussites du livre aussi. So that was a big part of the success of this book. Thank you for coming. Du coup, on vous invite à nous faire des retours hein, sur le livre. Vous pouvez nous joindre hein, sur les réseaux sociaux et autres. On sera ravis de vraiment d'avoir vos retours à vous. Une audience qui, du coup, est américaine. Okay, so merci beaucoup. They would love very much to have your responses and your reactions to the book through social media, and merci beaucoup. Encore une fois, Bolewa et Bala. Merci à vous.